tout le monde. Là, je vous fais une petite vidéo parce que je vais comparer 6 applications qui m'ont déjà permis de gagner de l'argent, que j'ai déjà présenté. Mais je vais voir si 6-là vont vous proposer le même jeu, mais avec des avantages différents. Donc, je vais commencer par CoinPop. Donc, CoinPop, pour ce jeu, c'est un jeu de grattage, je crois. Je ne l'ai pas encore installé. Ça s'appelle Fantasy Scratch, donc ça doit être un jeu de grattage. Donc pour ce jeu-là, il va vous proposer 110 points par minute. Donc je vais parler en points. Donc 110 points par minute, donc c'est énorme. À la base, il proposait que 55 points, mais vu qu'il y a la journée Good Deal, donc souvent c'est les week-ends, les journées Good Deal. Donc là, là c'était en semaine, je sais pas, ils avaient décidé. Donc là, voilà. Du coup, c'est doublé, les points sont doublés, donc ça, c'est super intéressant. Après, vous allez avoir l'application Cash Alarm qui va vous proposer 51 points. Vous avez Monero pour le même jeu qui va vous proposer 54 points. Vous avez Happy Turn qui va vous proposer 51 points. Vous avez FitPlay qui va vous proposer 53 points par minute. Et vous allez aussi avoir WinGif qui va vous proposer 105 points par minute. Mais attention, la seule différence qu'il y a, donc là, vous allez me dire, s'il n'y avait pas le good deal, le plus avantageux, c'était WinGif. Mais attention, WinGif vous propose 105 points par minute, donc ça va aller deux fois plus vite que les autres, sauf que ça va jusqu'à 6702 points. Donc après, vous ne gagnerez plus de points, du coup, avec cette application. Donc c'est pour ça, il va falloir vraiment voir ce qui est le plus avantageux. Si vous voulez aller vite, c'est sûr, c'est ça. Mais si après vous voulez gagner plus de points sur une plus longue durée parce que le jeu vous aimez bien, ça serait plutôt les autres applications. Donc c'est pour ça, des fois, je fais des comparatifs. Avant d'installer l'application sur mon téléphone, je réfléchis voir quelle application serait le plus rentable. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Si jamais vous avez aimé la petite vidéo, de mettre un petit like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye.